Je vous propose maintenant une série d'exercices de coordination de deux mains. Vous proposez maintenant des exercices de coordination de deux mains. On va travailler ça en trois rythmes différents. 2-4, 3-4 et 6-8. I ho treballarem amb tres dels ritmes de mà esquerra més habituals. Compàs 2-4, compàs 3-4 i compàs 6-8. On va travailler sur la base que la main gauche reste toujours sur le même rythme et qu'on garde aussi l'alternance de pousser et de tirer. Ça reste le même pendant tout l'exercice. La mà esquerra fa el mateix patró durant tota l'estona i també fem el mateix amb tancar i obrir la manxa. Això és la part que queda sempre igual durant tot l'exercici. Pour commencer, on va faire juste la main gauche. On joue avec les accords Sol et Ré sur le même bouton. Sol quand on pousse, Ré quand on tire. Déjà à cette étape, il faut vraiment faire attention à la régularité de notre rythme, même quand on a le changement de sens du soufflet. Ens fixem que el rythme sigui realment regular, fins i tot quan passem de tancar a obrir o al revés. Alors maintenant, on va rajouter à la main droite, avec le bouton Sol fa dièse, amb el bouton Sol fa sostingut, et pour commencer, on va juste faire le bouton tenu tout le temps, aguantat tota l'estona el bouton. Alors, à cette étape, on peut jouer aussi avec le on-off de la main droite. Juguem en fait on et off de la main droite. Només mà esquerra. Alors, maintenant, on peut dire que si le rythme que fait la main gauche sont des croches, à la main droite, on serait en train maintenant de faire des planches. Estem fent blanques à la droite, de moment, que duren 4 corxeres de l'esquerra. Alors maintenant, on pourrait passer des blanches au noir. Et maintenant, on pourrait passer au croche. Et alors, on pourrait tout enchaîner, combiner les blanches, les noires, les croches, blanques, negres, corcheres. Et on peut aussi combiner ça avec les silences de la main droite. Combinar-ho amb silencis, també. L'étape suivante de cet exercice pourrait être de jouer non pas avec une seule note à la main droite, mais déjà avec deux. Qu'on pourrait combiner un peu à son aise, on peut inventer un peu sa propre version de l'exercice, mais ça va ressembler de plus en plus aux mélodies que vous avez envie de jouer à deux mains. Ara ja no tocarem una sola nota a la dreta, sinó que podem jugar amb dues i podem fer combinacions, que jo us en proposaré alguna, però us podeu inventar les pròpies combinacions. I a mesura que anem eixamplant l'exercici, cada vegada s'assembla més a les peces que podeu voler tocar amb dues mans.
sachant que sur ces boutons-là, ça sonne toujours bien. Vous pouvez inventer vos propres combinaisons. On pourrait même jouer avec trois boutons. Tenint en compte que amb aquests boutons sempre sona bé, podeu fer la combinació que us vingui de gust o que us inventeu. Fins i tot podríem jugar amb tres botons. Maintenant, si nous exportons cet exercice à un rythme de 3-4, si ara fem l'exercici però amb compàs 3-4, on peut rajouter la main droite en faisant des blanches pointées, c'est-à-dire en tenant tout le temps. Afegim la dreta aguantant tota l'estona, que estaríem fent blanques en punt. Ou bien on change et on fait des noirs à la main droite, fait negres à la main droite. Des croches. À partir de là, une fois que vous avez compris le fonctionnement de l'exercice, je vous proposerai plutôt d'inventer vos propres combinaisons en jouant avec trois notes. À partir d'aquí, jo us proposaria d'inventar-vos les vostres pròpies combinacions per l'exercici. Et maintenant pour le 6-8, on va tant qu'à faire changer de tonalité, on va prendre Do, donc Do et Sol pour la main gauche, et pour la main droite, on va travailler avec ces trois boutons aussi, Do, Mi, Sol ou Si, Ré, Fa, quand on tire. Ara fem 6-8 et de passada canviem de tonalité. Donc pour la main gauche, on va faire... Alors pour la main droite, je vous propose une version un peu différente de l'exercice. On va travailler sur les trois rythmes qui apparaissent le plus sur les mélodies de 6-8. C'est-à-dire, quand on a des noirs pointés, pom, 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 ou bien quand on a noir, croche, noir, croche, noir, croche, comme sur la main gauche, ou bien quand on a des groupes de trois croches, quand on a des groupes de trois crochets. Alors pour la main droite, on va utiliser des notes différentes en fonction de leur position dans la mesure. Quand c'est les temps, ce sera le Do. Les notes qui sont sur les temps, farem servir le Do. Les notes qui sont dans la position de la troisième croche de chaque groupe de trois, on va utiliser le Sol. Per les notes que estan en la posició de tercera corxera de cada grupet, de tres, fem servir el Sol. Et finalement, quand on a les trois croches qui s'enchaînent, des groupes de trois croches, on va utiliser les trois notes d'affilée. Quan tenim els grupets de tres corxeres, fem servir les tres notes seguides, Do, Mi, Sol, U, Si, Re, Fa. Ce qui aide beaucoup dans cet exercice, c'est que le Do coïncide toujours avec la basse,
et le sol coïncide toujours avec l'accord. Et le mi, s'il est là, il ne coïncide avec rien de la main gauche. El que va bé d'aquest exercici és que el do coincideix amb el baix, el sol coincideix amb l'acord i el mi, si és que l'hem de tocar, no coincideix amb re a la mà esquerra. Alors, a partir de là, vous pouvez inventer votre propre combinaison.